Amine rêve du titre national, Salim de la ceinture mondiale. Sur le ring, ses deux frères ont pourtant des stratégies bien différentes pour l'emporter. J'analyse comment l'adversaire boxe. Le premier round, c'est surtout une analyse. Et ensuite, j'écoute les conseils de l'entraîneur et j'essaye de m'y adapter. C'est de reculer en tapant. Je le laisse avancer sur moi. Et quand il met des coups, ben, il baisse sa garde. Et moi, je tape quand il a la garde baissée. La saison passée, Amine s'était incliné en finale interrégionale contre le futur champion de France. Autant dire que le championnat départemental n'était qu'une formalité, mais quand même. Il est de niveau national. Donc là, on est sur du départemental qui aboutira justement sur du national. Donc oui, à ce niveau-là, j'ai pas de surprise. Mais bon, en même temps, on ne sait pas sur qui on tombe en face. Donc on peut avoir des surprises dès le départemental. C'est justement parce que c'est un championnat. Comme attendu, Salim et Amine s'imposent pour la troisième fois dans leurs catégories respectives. Ces jeunes boxeurs glanent leur premier titre sous le regard d'un modèle. Ahmed El Moussaoui, nouveau champion de France de boxe des Walter, a mis les gants pour la première fois sur ce ring. On est tous passés par la boxe éducative. En plus de ça, moi j'ai commencé à la Verrière et j'avais 8 ans. Et mon premier assaut éducatif, je l'ai fait ici. Et voilà, c'est des bons souvenirs. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des petits qui sont vraiment pas mal. Et voilà, j'espère qu'ils vont suivre mon chemin. Pour la seconde année consécutive, le boxing de la Verrière est le premier club des Yvelines avec 11 titres départementaux.